I'm going to JFK, please. Vous allez être surclassé en business. Ah bon? Ok, girl, I leave New York. Au revoir. Vous êtes très en retard. Ma mère est très malade. C'est presque la fin. Vous me dites la vérité? Non. Voilà. C'est pour un boulot. C'est très important. Je déconne pas, là. Ok. J'ai encore le temps d'aller aux toilettes. Oui, bien sûr, on nous a... Merci. Et plus tard. Je crois qu'on va se faire chier. Mademoiselle, je crois que c'est à vous. Ça va pas un peu vite, là? On va se faire la gueule pendant tout le voyage? Même pas. On se connaît pas. Ça va être long. Devine qui est assise à côté de moi. Julie. Qu'est-ce qu'il dit ton horoscope là? Que tu vas rencontrer un type extraordinaire? Non, ça c'est déjà fait. On se marie samedi. Et alors? T'as combien d'heures de vol là? 6 heures. T'as 6 heures? Faut juste que tu lui parles. Tu te souviens de la tour Eiffel? Oh, je crois qu'il a bougé. Qui ça? Le bébé. Tu vois, il y a 3 ans, je foirais tout, je rencontrais que des connards. Et maintenant tout le monde est ici, c'est marrant. Hein. Il est pas mal ce mec. Tu t'y vas en smoking. Antoine? Antoine, ton ex? Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Chut. Antoine! Bah, c'est l'ex de tout Paris. Je peux vous offrir un verre? J'ai jamais passé une heure avec un gros con. Oh. On va où? Et vous avez toujours le contact du gars de la Tour Eiffel? Un verre. Tu leur as raconté la Tour Eiffel? Après, vous vous êtes embrassés. Vous leur faites ça à toutes? Ça m'a coûté une blinde. C'est au sommet de sa bite qu'il a voulu t'emmener. Maman, ouais. Comment tu parles? T'es amoureux comme d'hab. Ouais, tu es très sérieux. Elle me rend très sérieux. Je vous préviens, on ne couchera pas ensemble. Bonsoir. Est-il dans ton genre, je les fuis comme la peste. Vous connaissez? Non. Alors pourquoi t'es là? Je me suis renseignée sur toi. C'est ce qu'il y a de pire sur le marché. J'en étais parano. J'en étais jalouse, limite folle. Dégage. Toi d'abord. T'expliquer? Y'a rien à expliquer, tu as tout foiré, c'est ton problème. Arrête. Écoute, j'ai rien voulu foirer, justement. Je m'en fous, ça va bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Bah moi, j'ai besoin que tu saches. Antoine, c'est terminé. La jalousie, les remises en question permanentes, c'est ça qui est terminé. Et même si toi, c'est tes ex, tes cuits et tes potes de merde, bah je m'en fous, je prends tout. Moi, je veux vivre à côté de toi. Désolé. Je veux plus te quitter. Enfin, à moins qu'il y ait une pute dans le placard. Quoi? Quoi? Non, rien, je... Cette fois-ci, tu m'écoutes et tu m'interromps pas. Je viens de faire 7 heures d'avion avec une femme que j'aime encore. C'est marrant, la vie. Un jour, vous retrouvez miraculeusement la femme de votre vie. Et puis, tout se casse la gueule. Le mec, je lui propose un salaire en or, il foire son rendez-vous à cause d'un petit chagrin d'amour. En fait, tu crois que je préfère avoir peur avec lui que d'être tranquille avec toi. On va où? Où tu veux. Je me suis jamais mariée avec un vrai connard.